Bonjour tout le monde! Un petit écran noir pour commencer la vidéo, c'est toujours assez sympatoche. J'attends que ça load. Je suis comme vous. Hop là, attention. Le petit réglage qui va bien. Fartest! Frontière. J'ai chopé ma femme. Elle me trompait. Eh oui, c'est de la trahison. Elle m'a pas dit qu'elle avait pris ce jeu. Elle a rien dit. Et je l'ai vue en train de jouer. Vous imaginez le choc? Je me suis dit, c'est pas possible, elle m'a pas fait ça. Si, 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 j'ai regardé, elle faisait ça. Elle m'a regardé, nos regards se sont un petit peu entrecroisés, tu vois ce que je veux dire? C'est à ce moment-là que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ben, je me suis dit, je vais me venger. Donc j'ai pris le jeu aussi. Et je me suis dit, je vais l'essayer, je vais en faire une vidéo. Comme ça, au moins, on est tranquille. Alors, nouvelle colonie, ici. Ok, on a un bouton continuer. Quand on n'a pas commencé, c'est toujours intéressant. Nouvelle colonie, chargée partie, paramètres, crédit quitté. Tout ce que je fais, c'est régler les paramètres. Ok. Explorateur. Et on a un terrain qui s'appelle la Lémurie. On peut régler la taille de la carte ici. Grande, moyenne. Ah, il n'y a pas d'alternative. Un mode pacifiste. Donc, en explorateur, on a plus de ressources de départ, a priori. C'est ça. Ah non, on n'en a pas plus. En fait, c'est ici. Pionnier, on a plus. Tu vois, deux. On en a deux. La chasse et la faune, il y en a plus. En mode explorateur, donc il y en a moins, en fait. Les forces hostiles, là, il y en a moins. Ici, il y en a plus. La détresse sanitaire, ça, c'est quoi? Incidence des maladies et des blessures augmentent. J'ose même pas lire. Je vais dire, j'ai même pas envie de cliquer sur explorateur. Mais si je le fais pas, vous allez dire, ouais, mais le mec, il le fait pas, quoi. Donc, je vais pas me dégonfler. Puis ma femme, elle, elle l'a mis en pionnier. Et je sais même pas si elle a pas enclenché le pacifiste. Donc j'aurais l'air de quoi. Allez, vas-y, let's go, lancez. On est parti. On va attendre le temps de chargement. Bon, la petite vidéo, franchement, on s'en tape. On n'est pas là pour ça. Vous la trouverez partout sur le net. Donc je vous laisse la chercher si vous voulez la voir. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être le start du jeu. On va se faire un petit début, 15-20 minutes. Hein. C'est pour vous le présenter. Comme je fais souvent des tests à 15-20, 30 minutes maximum. Et on va voir ce que ça donne. Voilà le chargement. Est-ce que ça charge? Oui. Ça charge bien. C'est un peu long quand même hein, pour un petit jeu comme ça. C'est un jeu, il fait quoi? 2-3 Go là sur le HD. Et il met 2-3 heures à se charger, tu vois. Le lait des vaches tourne rapidement. Mais le fromage se conserve très longtemps. Ok, bonne astuce. Wow. Ok, donc là j'ai une colonie. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Examinez les terres que vos villageois ont explosé. Ouais, d'accord. Et choisissez un site de construction prometteur pour votre hôtel de ville. Il est important d'opter pour un emplacement proche des ressources dont vous aurez besoin pour construire une colonie prospère. Celle-ci inclut l'argile, le minerai de fer, les sources potentielles de nourriture également. Ok. Donc là, on regarde, il faut qu'on trouve. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est du sable. Ça, c'est des œufs. Alors, des œufs, un cerf, donc ça, c'est de la nourriture. Là, par contre, on a une colline ici. Hein. Là, ça tape sévère. Hein. Une rivière. Dans une rivière, il y a du poisson. Tiens, qu'est-ce que je disais? Bande de poissons ici. Ça, c'est quoi ça? Un dépôt. Oh bah, on a un banc de poissons et un dépôt d'argile côte à côte. Tu sais quoi, on va commencer le village ici. Hein. On va faire une zone industrielle qui va polluer toute la flotte ici. Et on va se faire des quartiers résidentiels qui partent par là. Vous en pensez quoi? De toute façon, peu importe ce que vous en pensez, j'ai décidé que j'allais faire ça. Alors, on va le mettre où ça? Ça, c'est quoi déjà? C'est un bâtiment? C'est une maison? C'est quoi? Ah non, c'est l'hôtel de ville, m'a-t-elle. Ouais, ok. Il faut bien placer son hôtel de ville, m'a-t-elle dit. Alors on va faire ça comme ça, on va le placer là, parce que ça semble être de la nourriture, on va pas la niquer. Aubépine. Aubépine, je me suis piqué un jour avec de l'aubépine, putain ça fait mal ça. Hein. Voulez-vous vraiment placer l'hôtel de ville? Bah oui, on veut le placer, sinon on n'aurait pas cliqué. Hein. Alors on y va. Ok, ça. Oh là, l'interface. Oh là là, on adore l'interface. Donc ici on a un réglage de vitesse. Hop, hop, hop. On va le diviser déjà pour comprendre les trucs et regarder l'interface. Là on a quoi là? Rapport des 12 derniers mois. Ben là, c'est sûr qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Les villageois malades et allaités. Ok, le nombre de villageois. Adultes 7, adolescents 5. Le bonheur, l'humeur des villageois. D'accord.
La bouffe. Donc là, on a que dalle en stock. Enfin, si on a 150 gigots là. Je sais pas si vous voyez là. Ouais. Ok. Oh, ça c'est le temps. On est en plein hiver. Température basse. Brise. Quoi? Je viens d'arriver, pas assez de logement. Ben oui, c'est normal. Regarde, il y a un chariot. Tu peux aller dormir dedans, non? T'as pas fait de camping, toi? Bon, alors, ici, on peut bouger ça? Non, on peut pas. Ah ouais, ok, ça c'est le temps qui défile. Vous avez vu? Donc ça c'est le climat en fait. Hiver, hiver. Printemps. Été. Là on est au printemps, il nous dit. A priori. Début en 1. Ok. Là on a nos réserves bûches, bois brûlé, planches en bois, pierre, argile, briques, rapport d'or. Là on a quoi? Amélioration automatique des bâtiments activés. Ouais, on verra ça. Et ça c'est les paramètres évidemment. Puis en dessous vous avez les trucs pour déplacer la caméra. WASD, en fait, ça marche sur ZQSD en clavier français, ça, je suppose. On va le tester. Ouais. Z, ça fonctionne. Donc A aussi, etc. Ah non. Z, ça ramène au centre. Non, non. En fait, je dis des conneries. T'as vu, t'es obligé d'appuyer sur le W. Bon, ça va se régler, mais de toute façon, trois quarts du temps, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec ta souris comme ça? Oh là. Il y a eu un coup d'orage, j'ai cru que c'était chez moi, je te jure, au milieu de tout, quoi. J'ai cru que c'était chez moi. Bon, alors ici, il y a de la bouffe. Il y a un chevreuil ici, là. Un cerf. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On va remettre ça en vitesse normale. Pour qu'ils construisent le truc, parce que je pense qu'il faut qu'ils construisent le truc. On va même le mettre en vitesse 2 cette fois-ci, maintenant qu'on a regardé l'interface. Là, on a quoi alors? Des carrés d'herbe. Super intéressant. Il y a des carrés d'herbe. À mon avis, les mecs, ils fument. De l'herbe, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est mon avis, hein. Ça veut pas dire qu'ils le font, on va voir. Mais pourquoi il y aurait des carrés d'herbe? Ça serait quoi un carré d'herbe? Du sol, le sol, c'est quoi ça? C'est une tige, ça. Des noisetiers, des myrtilliers, des nids d'oiseaux, des noisetiers. Là, tu as une zone sombre, mais évidemment, la carte elle devient bien plus grande. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ouais, d'accord. La traduction, c'est pas tout à fait ça non plus. Les ressources comme les bûches ou la pierre doivent être marquées pour la récolte avant d'être collectées par vos ouvriers. Ah bon? Vous pouvez accéder au menu récolte en appuyant sur la touche récolte. Et je lis pour les mecs qui savent pas lire. Hein. De la barre d'outils présente en bas à droite de l'écran ou en appuyant sur H. Ok. Récolter les ressources, c'est ici. Confirme. Alors c'est quoi? C'est anglais? C'est français? C'est quoi? On parle quelle langue? Donc si j'ai bien compris. Hop, récolter les ressources, on ouvre ça, on sélectionne ça. Oh, regardez, regardez, regardez! Oh, what the fuck! Oh, les mecs, ils sont énervés, hein! Il n'y a pas de nana, on est mal barré, il n'y a pas de nana. Je pense qu'on n'aura pas d'enfant. Ah, s'il y en a une, là, la pauvre, ce qu'elle va prendre, avec tous les mecs autour d'elle. Enfin, bon, bref, c'est autre chose. Ils auraient pu équilibrer, quoi. Ils auraient pu équilibrer. Bon, ben, ils coupent du bois, oui, c'est. Mais ils n'ont pas fini de construire leur truc. Je crois que j'ai déconné en les faisant faire ça tout de suite. On va voir. Vous entendez ce bruit d'orage? Je vous assure que dans mon casque, moi, ça me donne l'impression que c'est chez moi. Je suis terrorisé. Non, je m'en fous, en fait, j'ai pas peur de l'orage. C'est un vrai dur. Non, mais ça me fait pas. J'aime pas tellement l'orage en fait. Ça m'a cramé un PC un coup. Tiens, ça y est, ils ont fini. Donc, une fois qu'ils ont fini, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à couper les arbres. Ils sont sympas. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Au départ, c'est quoi ça? Ah oui, ça on peut fermer. On a dit que c'était. Ouais, enfin, on peut laisser aussi. Hein. Il ne veut pas se fermer donc. Ah si, ok. Tu cliques, tu appuies sur H. Fixer un point d'exploration, pour l'instant on s'en fout de ça, on va pas envoyer d'explorateur. Sentier, c'est les routes ça. Les coûts sont mesurés par longueur de 100 mètres. Ah bon, bah, pas cher ça. Donc nous ce qu'on va faire, on va se faire. Ah, t'as vu ça? Je pensais que ça faisait des lignes droites et que ça n'avait pas marché, mais en fait regarde. Le terrain s'incline, c'est pas mal, c'est assez sympa. Tiens, regarde, on va faire une route ici. Si je. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, tu peux relier les routes comme ça, t'as vu les petits serpents et tout, enfin tu peux les faire serpenter, c'est pas mal.
Ah, clic droit pour relâcher. Ok. Donc là, lui, il construit les routes, lui. Ok, on va remettre en vitesse 1 parce que je sens que je vais me faire avoir avant d'avoir fini. Ici, on va faire un quartier résidentiel. Ouais. De toute façon, ça va être cliné, hein. On va nettoyer les biches et on va être obligé. Et ici, on va se faire un quartier où ça va bosser. Ça, on va aller vers les mines, etc. Ici. Pas assez de logements, mais laisse-moi 2 minutes. Menu construction, logement ici. Hop. Hop. Alors, touche tab pour bouger. Ouais, ok. Ouais, ça, par contre, on peut pas l'incliner comme tu veux. Bon. On va faire un logement là. On peut les mettre proches comme ça. Ouais, 2, 3. Et ici, on peut en mettre un. T'as de l'attrait, t'as vu l'attrait? Là, attrait de localisation, 8%. C'est pas énorme, mais bon. Bon, et j'ai fait 4 baraques. Il y a 12 personnes, ça fait 3 personnes par maison. Je pense que ça doit être au moins 4 par maison, non? Je crois que c'est 4 par maison. Ok, on va aller regarder menu construction. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Stockage ici. Une quoi? Une resserre? Ok. On dirait un truc SM, ça. C'est resserre. Je sais pas. C'est bizarre comme truc. Attends, moi je vais faire une route ici. Hop, il faut aller vers là. Vers la flotte. Donc on va repartir. On va partir de là. Hein. Et ici, on va se faire un quartier. Enfin, pas un quartier, un truc. Qu'est-ce qui m'envoie un SMS là? Les mecs, ils sont incapables de garder les SMS pour eux. Alors attends. Ici, ouais, on devrait pouvoir normalement créer. Comment est-ce qu'on pourrait dire un quartier où on met des usines, des trucs là, enfin tout ce que les gens aiment pas. Qu'est-ce qu'ils ont Ce bâtiment n'a aucun stock de bois à brûler. Mais il arrive le stock de bois, laisse-nous le temps. Et là c'est quoi? Ce bâtiment n'a aucune source d'eau propre. Construisez un puits. Ok, on va aller voir ça tout de suite. Production de nourriture. Tac. Cabine de chasseur. Ah ben ça, chasseur, on va en avoir besoin puisque on va en faire une. Voilà, on va la mettre ici. Je vais la tourner comme ça dans le bon sens. Voilà. Ça va aller à la chasse, ça va occuper les mecs, ça. Ah, tu peux cliquer droit comme ça et déplacer comme ça ta souris, c'est pas mal. Donc on a dit qu'on cherchait de l'eau. Mais un cimetière, putain. Le seul truc que tu peux faire, c'est un cimetière dans les infrastructures. T'arrives, t'as un cimetière d'entrée de jeu. Tu sais que ça va claquer. Production de nourriture. Ouais, ok. Ressources. C'est quoi? Puits. Bah tiens, voilà. Ah, il y a un truc bleu qui nous indique l'eau. Bonus d'eau 79. Si je le fais ici, mettons que je le fais quelque part ici. Allez, mettons. Je peux pas le faire n'importe où non plus. Non. Je suis obligé de trouver un endroit où c'est assez libre. Ah, d'autres personnes attendent de rejoindre votre colonie. Accumulez l'équivalent de 4 mois de réserve de nourriture et 6 logements. Ok. On est content. Je peux pas le mettre là, rien. C'est super chiant ça. Je suis obligé de le mettre là sur la route. Bon bah je vais le mettre sur le chemin, on trouvait des puits sur le chemin dans le temps, non? Bonus d'eau 60. Là ici 59, 58, 55. Donc finalement ici je suis pas mal. Hein. 60, je sais pas si c'est parce que je suis près d'une route, mais. Bon, ils vont. Ah, il nous fallait de la caillasse. On n'a pas de caillasse. Vite. Sélectionnons un mec qui va nous faire de la caillasse. Alors déjà on va trouver un caillasse, enfin un caillou. Ici, hop. Je crois que c'est tout ce que j'ai à faire, si j'ai bien compris. Hein. Allez, y vont. Ah ben ça y est, il y a des nanas qui sont. Ouais, ça y est. Peut-être que tout à l'heure j'ai mal vu dans le pack. Hein. Là ils ramassent des cailloux. Bon, ben, ils vont ramasser des cailloux. Ils vont faire du bois pendant ce temps-là, nous on va construire. Hein. On va continuer. Débit de bois à brûler, c'est quoi ça? Produit du bois à brûler. C'est pas ça qu'on nous demande ici. Aucun stock de bois à brûler. Débit de bois à brûler, ça doit être ça. On va le mettre plutôt par ici. Ah, ça donne une zone, vous voyez? Une zone plus orangée là. Ça veut dire que les gens aiment pas trop avoir ça à côté de chez eux. Donc on va le mettre ici. Parce qu'on va partir vers les villages ici. On va dire ça comme ça. Le village. Et ici on va mettre tous les bâtiments industriels, enfin tous les bâtiments qui nous permettent d'avoir la bouffe, etc.
Bon, alors, je sais pas si c'est bien, hein, mais j'ai envie de tester ça comme ça. Là, par contre, ce qui est chiant, c'est quand tu poses un truc, tu vois pas qu'il y avait des trucs derrière, là, comme ici. Tu as quoi ici? Des légumes verts. Comment tu les cueilles, les légumes verts, là? Tu peux pas cliquer dessus, rien du tout. Il doit y avoir un moyen. La cabane de... Ça, c'est la cabane de chasseur, ouais. La cabane de chasseur. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Conditions d'amélioration, hôtel de ville, rang 2, d'accord. Les chasseurs partent de ce gîte pour traquer le gibier afin de ramener de la viande ou des peaux. Des outils sont nécessaires. Ouais, bon, bah, ça, pour l'instant, on n'en a pas. Ça, c'est quoi? Redéfinir le rayon d'action du bâtiment. Si je clique, ça fait... Ah oui, ok. Ah bah là, c'est où ils vont chasser, en fait. On va nettoyer cette zone ici, alors. Parce que dans cette zone, il y a plein de biches. Voilà. Bah, c'est nickel, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est le nom du mec. Chasseur. Bon, 42 ans. Il a de l'expérience, hein. Bon, il nous devrait nous ramener de la bonne viande. Et lui, il produit donc des peaux. Il produit donc de la viande, pardon, des peaux. Et du suif. Il a besoin de carcasse, taux de travail, 100%. Bon, donc, il récupère de l'eau aussi, donc il aura besoin d'eau. Il a des légumes racines. C'est quoi l'histoire? Non, il peut stocker ça. D'accord. Ouais, ok. Mais on doit avoir deux trucs pour stocker, c'est pas possible. Donc on a fait le débit de bois brûlé. Non, on n'a pas encore fait, il est là. Je suis toujours en 1x. Hein. On peut le mettre en 4x pour aller beaucoup plus vite, mais je suis pas certain qu'on se plante pas, quoi. Hop. Ressources ici. C'est là qu'on était, je suis trop con. Défense, c'est quoi ça? Une tour de guet. Ah, il y a un coût mensuel de 5 or. Je suis pas prêt de l'avoir. Hein. Là, je vous le dis, je suis pas prêt. Bon, alors on refait le tour. Logement, machin. Production de nourriture, il y a quoi? Cabane de pêcheur. Ben ça, on va y aller. Cabane de cueilleur. Ben, on va en mettre une. Une cabane de cueilleur, on va la mettre ici. Il y a plein de trucs à cueillir. Quand tu cliques dessus, tu peux rien faire. Si, tu peux récolter la ressource. Légumes verts, tu peux pas. Par contre, sur les trucs de l'aubépine et tout, tu peux le faire. Ok. Donc, faut les cliquer à la main, ceux-là. Ok. Non, là, je fais retirer la ressource. Je suis trop con. Non, non, je fais mettre la ressource. Je sais plus. Bon, bref. Récolter. Et récolter. Ouais, ça a l'air pas mal comme truc. Récolter. Récolter. Bon, attention, c'est pas des jeux énergiques. Tu vas pas sortir une Kalachnikov et tirer sur tout le monde. Ça n'existe pas encore à cette époque. C'est petit village, quoi. Tu vois le truc? Là, on a les trucs à récolter aussi. Récolter. 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 Ça me fait un peu peur quand même de les emmener là, parce que s'il y a des animaux et tout, ils risquent de se faire flinguer. Enfin bon, bref, nous, il nous faut de la bouffe, donc on n'a pas tellement le choix. On va venir ici, sur le village, ici. Dépôt d'argile. Ça, c'est une cible qu'on a. Obipine, on va faire récolter la ressource. Là, il y a un autre dépôt d'argile. C'est le jackpot, les mecs. Enfin, les mecs et mesdames, excusez-moi. C'est le jackpot. On a les dépôts d'argile, on a besoin d'argile. Ça tombe bien pour fabriquer tout ce qui est en argile. Bon, lui, il bosse ou quoi? Parce que les cerfs, ils sont toujours là. Ah ouais, il fait de la viande, hein. 58, une peau, deux suifs. Ah ouais, il fait de la viande, le mec. Hein. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc, nous, là, il n'y a pas de bois à brûler. Pourquoi? Parce qu'ils bossent tous. On n'a pas assez de monde, en fait. Attends. Là, il y a un truc, là. Les cabanes ne sont pas construites, rien. Il y a un truc que je ne puisse pas, là. Ah, ils sont tous partis cueillir. L'aubépine. Eh ouais, je les ai tous envoyés cueillir de l'aubépine, donc ils sont tous dans les bois, tout en train de se promener, là, ils glandent. Bon, ben, on va attendre qu'ils reviennent, hein. On n'a pas le choix, il y a un ordre de priorité, ça. On peut mettre une prio, c'est quoi, ça? Très dur, augmenter le nombre de travailleurs, ok. Pour l'instant, ouais, on peut mettre une priorité ici, hein. Tiens, priorité. La construction est prioritaire, voilà. Le bois à brûler, parce que le bois à brûler, moi, ce que je vois, c'est qu'on est déjà au milieu de l'été, là. Même on est en automne, d'après ce qu'ils disent. Et j'ai toujours pas de bois. De la bouffe, j'en ai 11 et 9, entre parenthèses. Ah, voilà.
Équivalent en mois de nourriture en stockage public 11, équivalent en mois de nourriture perdue par péremption au cours des 12 prochains mois 9. Quoi? Sur 11, j'en perds 9? Tu fais de ma gueule ou quoi? Il faut que je construise un truc qui fasse un dépôt ou un truc dans le genre. Stockage. Toc. Ben c'est ça, c'est le truc, le resserre. Je sais pas, j'aime pas ce nom là, resserre. Ouais, je vais le mettre ici. Allez hop, c'est parti. Et je vais faire une maison de plus. Parce que là, on est à 15 sur 16. Ils ont dit qu'il y avait des gens qui voulaient venir s'installer. On va changer. Donc avec la touche tabulation, on change l'ordre comme ça. Hop. Enfin l'ordre, le sens. Et là, on pourrait peut-être se faire une route. Tu vois le genre? Attends, regarde. Ça va pas nous coûter grand-chose si on fait ça ici. Attends, c'est pas terrible. Ouais, mais on va niquer tout le parcours à Chevreuil là. Ça va pas être top là. Attends. On va le faire comme ça. Puis on va partir de là. Bon, je sais pas trop ce que je fais là. Je fais de la merde, je crois. On peut pas se rejoindre les deux routes là? C'est quoi le problème là? Il va rien savoir. Hein. On est obligé. Ah bah il y a un bâtiment dessus. Ah ok. Je viens de comprendre le problème. Ok. Donc là j'ai fait une route qui rejoint et là il y aura deux bâtiments plus le pido. Bon, bah écoute. Voilà. Le truc il est prioritaire mais ils font les routes. Hein. Il n'y a pas de problème. Et ça, personne ne le fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça manque de bois, peut-être. Bon. Hop, récolter la ressource. Ça marche pareil, ça. Et là, ils coupent du bois, de toute façon. Ah, ça y est, ils vont construire. Ça y est, on va avoir du bois à brûler. De la bouffe, on en a 11 toujours. Ça me fait un peu peur, moi, cette histoire de bouffe. Hein. Et l'autre feignant, là, qu'est-ce qu'il fait, là? 120 de viande. Bon, il chasse, ça va. C'est le seul qui bosse pour l'instant. Après, on peut mettre celui-là en priorité second. Dès qu'on a fini, tiens, regarde. Priorité, boum, sur celui-là. Donc là, c'est quoi? C'est du bois à brûler, donc il nous faut du bois. Il y en a pas, on n'en a pas. Comme ça, on est clair. On va pas avoir de bois passer l'hiver. Il va y avoir des mecs qui vont claquer et tout. Moi, je te le dis, ils vont mal supporter l'hiver. On va voir. Que je peux faire, c'est essayer d'augmenter la vitesse, mais je stresse un peu quand même. Je dis un truc, je stresse. J'ai l'impression que je me suis foiré là dans mon calcul. Ils ont pas de bois. Là, tu me dis qu'il a pas d'eau. Ah bah oui, le puits est pas fait. Donc là, il a plu, ils ont de l'eau, c'est ça? Il pleut, ils ont de l'eau. Mais là, le puits est toujours pas fait, il n'y a pas de bois. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Je comprends pas ce qu'ils foutent. Il récupère du bois. Là, tac, il a été mettre un bout de bois là. Enfin, il en a mis deux en fait. Il en reste un et puis il est rentré chez lui, le mec. C'est quoi? C'est les vacances ou ça se passe comment là? C'est pas encore les congés ici? Les congés sont en été, attends. Là, voilà. Et là, t'as un mec qui vient. Attends, on peut zoomer hein, pour regarder. Il y a un mec qui vient avec une scie à bricoler. Ok, construit depuis. Il y a trop de choses à faire en fait. Ils arrivent pas, ils sont pas assez nombreux, ils sont que 15. Il faudrait qu'il y ait 2-3 personnes qui viennent les aider. Là, on a quoi là? Cabane de cueilleur. Ah bah ça tombe bien, on va pouvoir se mettre un cueilleur. À part qu'il n'y a rien, il n'y a rien à cueillir, on est en hiver. Donc on a fait ça pour que dalle. Ça, c'est relativement chiant. Là, on a une bûche. Je crains le pire. C'est ça le bois à brûler. Ouais, c'est celui-là qu'on a vu tout à l'heure. Serre repérée. Ben ouais, mais on s'en tape. Nous, ce qu'on voudrait. Là, l'hiver arrive. Vous entendez le vent? Vous l'entendez le vent?
Je crois qu'on va se faire niquer. Je sais pas pourquoi. Occupant d'Allah, regarde ça. Cherche un gîte. Il y en a plein les gîtes, qu'est-ce que tu me racontes? Cherche un gîte. Attends, attends, bouge pas. Mais non, je peux pas en faire un à côté d'elle. En fait, elle est trop loin, elle habite trop loin. Un villageois est mort. Deux villageois sont morts. Dala va pas tarder à y passer. Ouais, ben ouais, Dala, allez, ciao. Il n'y a pas de cimetière, il n'y a rien. Bon, partie perdue. Bon, ok. 8 villageois sont morts. 9 villageois sont... Mec, je perds tout. Je perds tout. Tout le monde claque. Il me reste plus qu'une seule personne. 0 personne. Allez hop. Terminé, game over. Merci d'être venu. Putain. Ah, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Je me fais wipette, quoi. Regarde, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Bon, ben voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Qu'est-ce que je te dis? Je me suis fait niquer. Je vais recommencer. Je vais recommencer. Ça m'a bien plu. Mais je sais pas où étaient vraiment les erreurs, quoi. Bon, ben merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Bonne fin de journée. À plus tard. Ciao.